Ce matin, comme tous les jours, Loana a décidé de ne rien foutre. Je fais des vacances prolongées, on dirait. C'est l'avantage d'être une coccinelle. On passe son temps à rien foutre. Aujourd'hui, elle s'assoupit doucement lorsque soudain... elle voit arriver une drôle de bestiole à la démarche bizarre. Oh, tu veux ma photo ? Lance le petit effronté. Toi-même et... Petit effronté, répond Loana. Oh, voilà une demoiselle qui a le sens de la répartie. Pense le nouveau venu. Et il se présente aussitôt. Je m'appelle Paul et je suis... Le nouveau venu. Un pou. Pauvre pou qui a dû fuir l'école maternelle où il habitait à cause d'un... Oh, il rêve des ramenards. Allons, ne sois pas triste, Paul. Paul le pou. Tu as perdu ta maison, mais tu as gagné une amie. Je m'appelle Loana. Paul est fou de joie. Et du coup, dit-il, j'ai retrouvé une nouvelle maison, dit-il, quand il m'a suffi de faire l'assiette, dit-il, dans tes cheveux, dit-il, c'est que, répond Loana, je viens de me faire une indéfrisable et... Qu'à cela ne tienne, je vais m'installer dans tes cheveux du bas, répond Paul, et il joint aussitôt le geste à la parole. Bah, pense Loana, là je ne risque rien, ça frise naturellement. Et nos deux amis s'endorment dans le bonheur. Le crépuscule tombe lentement sur la plaine, alors que Loana, Paul et Lara entament leur 18e sieste de la journée. Quand soudain, un rythme endiablé les sort de leur torpeur. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Se plaint Paul, mais Lara s'enthousiasme soudain. Oh, ce sont mes amis grillons qui organisent une rave party. J'avais oublié que c'était ce soir. Une rave party ? Chic, on va s'amuser ! S'exclame Loana. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après une marche de quelques mètres, nos trois amis se retrouvent dans une clairière, envahis de grillons en transe. Nadia, Sandra, Victoria, Jessica ! S'exclame Lara, folle de joie. Toutes mes amies sont là ! Folle de joie, folle de joie. Et tandis qu'elle enchaîne les embrassades, Paul et Loana se joignent à la gaie assemblée. Paul déguste quelques nectars savoureux au bar, tandis que... Loana se sert généreusement de délicieux bonbons qu'elle a trouvés dans une poupelle. Généreusement, mais sens bien des bonbons, car Loana commence à se sentir toute chose. La musique lui semble de plus en plus lointaine. Le rythme ralentit de plus en plus, et voilà que les couleurs se mettent également à changer. Maintenant, c'est Lara et ses amis qui la regardent d'un air bizarre. Loana, tu veux un verre d'eau ? Tu sens bien ? Lui demande-t-elle. Tu me claques dans la gueule ? Maintenant, Loana n'entend même plus la musique. Montez la musique ! Dit-elle. Plus fort ! Plus fort ! Personne ne semble l'écouter. Puis d'un coup, c'est le trou noir.